Hey, salut, c'est Guillermo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le domaine du vignoble là où je travaille. J'espère que ça va vous plaire. Allez, suivez-moi. Donc, nous allons rentrer par l'entrée principale, par le porche. C'est un très très beau domaine, hein. On va ouvrir, hein, bien sûr. On referme derrière soi. Donc, vous avez ici voilà une entrée très spacieuse, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a un étage, un double escalier, très très spacieux. En face, nous avons la salle à manger directement. Très très belle salle qui peut faire aussi office de salle de réception, bien sûr, hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir, on a des invités à l'extérieur. Qui profite un peu du domaine parce que on peut louer le domaine à la soirée, à l'heure, comme vous voulez. Ici, nous avons donc la cuisine. Cuisine assez spacieuse, hein, qui fait vraiment un style très très élégant, très très sobre, hein. Vraiment sympa. Donc là, vous avez, hein, une sorte de petit espace, hein, un peu tranquille, qui ressort aussi sur le domaine, sur un des côtés du domaine. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein. Vous voyez, vous avez une petite terrasse qui montre directement sur les vignes, hein. Regardez-moi ça. Directement sur les vignes. C'est très agréable. Donc là-bas, on va pas y aller, hein. Ça fait vraiment le tour. Le tour du bâtiment qui montre, enfin qui va vers la terrasse, ou laquelle on va visiter ensuite. On va rentrer. On n'oublie pas de verrouiller la porte. Donc là, c'est une porte verrouillée, hein. Bien sûr, on peut pas avoir accès à tout, hein. Ensuite, nous repassons dans le salon pour nous diriger vers la salle de jeu. Comme vous pouvez le voir, nous disposons de billard. Ça, c'est très bien. Voilà, après une journée de travail, c'est un peu le coin détente, hein. Après une petite journée de travail bien, bien difficile, mais toujours très bien se reposer, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, voilà, nous avons un petit feu de cheminée, petit salon cosy avec la télé, avec vue, voilà. La terrasse, vous pouvez l'entendre, hein, le petit crépitement du feu, hein. Voilà, c'est vraiment un endroit agréable ici, hein. Vraiment très agréable. Nous allons passer à l'étage. Avant de vous montrer l'extérieur, autant finir l'intérieur, hein, bien sûr. Donc on peut monter des deux côtés, hein. Comme vous pouvez le voir, on a deux escaliers. Je vais monter là-bas, tiens. J'aime bien passer à droite. C'est un petit rituel. Hop, allons-y. On peut voir, hein, des motifs d'escalier vraiment vraiment sympas avec des vitraux coquets. Ils sont vraiment vraiment magnifiques, hein, avec un joli lustre en diamant. Donc là, nous rentrons dans une antichambre. Nous avons commencé à droite le bureau de Monsieur Swanson, l'avocat, notre avocat préféré. Et oui, vous pouvez le voir, hein, il aime la boisson, il aime la bonne boisson, hein. Bon, il préfère l'argent à la boisson, mais il aime bien la boisson aussi, hein. Ensuite, nous avons ici le bureau de Monsieur Sandust, le patron du vignoble, hein, le number one, hein, j'ai envie de dire. Vraiment le PDG. Ensuite, nous descendons. Nous avons accès, voilà, à notre petite salle de jeu d'argent, hein. Voilà, quand on fait des soirées un peu plus, comment dire. Je ne trouve pas mes mots. Quand on fait, voilà, de grosses soirées,
Nous organisons des jeux d'argent, bien sûr, dans la légalité, hein, bien sûr. Hein. Et c'est vraiment très 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 sympa. Oui. Voilà, ici, bien sûr, vous avez la vue du salon. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Hein. L'architecte a bien bossé. Hein. Ensuite, la visite n'est pas terminée. Nous allons passer aux dernières pièces. Ce sont les appartements privés. Donc ici, vous avez la chambre de Monsieur Sandust, hein. Très très spacieuse, luxueuse, très grande télé, hein. Ça c'est vraiment la classe, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment vraiment joli, hein. Ici, vous avez la salle de bain, bien évidemment. Avec une belle baignoire ou les vitraux et surtout une très belle vue sur le domaine. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de faire votre petit caca matinal et vous avez vue sur votre domaine. C'est magnifique. C'est ça ce que j'appelle ça c'est la vie. Ensuite, nous allons dirigé vers la dernière pièce qui est le dressing. Car oui, quand même, il faut bien un endroit pour stocker ses vêtements. Hein. Donc dressing vraiment très très spacieux, hein. Très très spacieux et fort fort agréable. Hein. Donc, maintenant que nous avons fait la totalité des pièces intérieures, nous allons descendre voir l'extérieur. Faire attention parce qu'ici à chaque fois je... Oh putain, oh, aïe, oh, aïe. Ah, ça glisse toujours ces putains de marches. C'est joli mais ça glisse, hein. Donc là vous allez voir. Aïe, j'ai vraiment fait mal comme un con, hein. Voir, franchement, regardez, regardez, question luminosité naturelle, il n'y a pas mieux. J'ai bien fermé la porte, oui. Bonjour messieurs dames, ça va, on fait la petite visite. Comme vous pouvez le voir, hein, nous avons des invités qui profitent de la terrasse. De bonnes bouteilles de vin avec une piscine, bien sûr. Quand nous faisons des soirées, voilà, nous profitons de la piscine. Comme vous pouvez le voir, regardez, ça c'est magnifique. Bon, il y a un peu de brouillard, c'est un peu dommage. Mais imaginez quand vous faites une soirée piscine directement vue sur le mont Chiliad, vue sur le mont Chiliad et sur les vignes. Ça c'est beau. C'est que c'est dommage que ce soit un peu brumeux aujourd'hui. Regardez-moi ça. Regardez le domaine quand même. Regardez ce vaste domaine. Regardez-moi ce domaine. C'est vraiment de toute beauté. Avouez que travailler dans un cadre comme ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Comme vous voyez, la terrasse est vraiment grande. Hein. On va faire le tour. Hein. Comme ça, je vais vous montrer qu'on peut vraiment faire vraiment tout le tour. Vous avez raison, madame. Prenez des photos. Et là, nous retournons sur le parking. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Encore les vignes. C'est magnifique.
Ici, vous avez l'endroit où nous stockons les cuves de vin, justement. Donc voilà, nous avons fini le tour du domaine. Je vous prends, voilà, une jolie petite vue, hein, quand même. Donc voilà, nous avons fini. Donc voilà, nous avons fini le tour du domaine. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao! Quoi? Attendez. Y a pas d'étagère? Les bouteilles volent? Non. Mais je peux les... Attendez, 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 attendez. Oui, je peux les toucher. Je peux les toucher. Là-haut. Ah, je peux la toucher. Je peux toucher. Là-haut. Ah, je peux les toucher aussi. Mais merde. C'est encore une hallucination. Putain. Putain, putain, putain. J'ai marre d'halluciner. Non.